Wendal. Arthur. Donc là, j'ai deux jeux. Dans ce tour de magie, j'ai prévu de ne rien faire. D'accord. Donc toi, tu peux faire quoi? Le rouge ou le bleu? Le bleu. On va faire comme ça. Donc là, je te montre. Il y a des cartes que tu as tenues dans ta main, par contre, tu les retournes pas. Tu les laisses comme ça. Pareil, tu peux voir donc le jeu rouge, tu ne retournes pas. D'accord. Là, ce que vous allez faire, c'est vous approcher vous. Là, vous allez poser la première carte sur le bleu. Ici, sur la retourner, passe en bas. Encore. Encore. Et là, vous y allez. Vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et vous arrêtez quand vous voulez. Est-ce que tu veux encore continuer? Oui. C'est parti, allez. Ok. Là, vous êtes arrêté, notre temps. On remet les cartes un peu dans l'ordre. Ici. Et toi, ici. D'accord? T'es d'accord là-dessus? La carte est ici. Je vais la poser là. On va la regarder. La carte est ici. Et là, tout ça, on pose dessus. Et toi, tout ça, tu poses dessus. D'accord? Donc là, on est d'accord que moi, personnellement, je n'ai rien touché. C'est vous qui avez tout fait. D'accord? Tu es d'accord avec ça? Et c'était quoi vos cartes? Tu n'as pas vu? Alors, regarde, c'est pas grave. C'est pas grave parce que toi, si on fait juste ça, on s'aperçoit que là, il y a une carte bleue. Et si on fait ça, fatalement, il y a une carte rouge. Ça, c'est rigolo. Hein. Du coup, si on prend la carte rouge ici, et si on prend la carte bleue ici, ce qui serait fort, parce qu'on a pas d'autre. D'accord ? Ce qui serait fort ? Redis-le. Fort. Alors, souvent, il y a des gens qui connaissent, qui trouvent le truc. Est-ce que vous savez comment ça a pu marcher ce tour-là? Il n'y a que des 7 et carreaux. Hein? Pas possible. Vous voulez voir? Mais effectivement, c'est pas possible parce que dans ce jeu-là, il n'y avait que des cartes blanches que vous pouvez examiner. Et des 7 et carreaux. Bah oui, c'est pas.